Bienvenue dans ce dernier vlog à Montréal, au Québec, au Canada. Et aujourd'hui, pour ce dernier vlog, je vous emmène avec moi à Québec, puisqu'on a décidé finalement de partir à Québec pour la journée. Et je me suis dit que c'était bien de partager ça avec vous, non ? Allez, let's go ! Premier stop, les chutes de Montmorency, près de Québec. Arrête au rap. Et on va voir ça tout de suite. Il n'y avait pas de prévu de pluie aujourd'hui, mais la météo a décidé contre nous, puisque là il y a des microclimats, il se met à pleuvoir 2 minutes, et puis après grand soleil ça tape, après 2 minutes après il repleut. Une galère, il nous suit ce nuage, il nous suit. Donc là on est monté en haut du funiculaire pour être tout en haut de Québec, et de pouvoir avoir la vue sur la ville. Et là on va monter un petit peu vers le château, on va voir ce que ça donne. Je vous retrouve 3 mètres à côté, hein. Ici il pleut, et vous allez voir que 2 minutes après, il y a un grand soleil. Et je pense qu'il ne pleut plus, quasiment plus. Non, voilà, ici, soleil. Il pleut un petit peu encore, mais beaucoup moins. C'est dingue, hein. En tout cas la vue est magnifique.
pour le petit bilan. Après Québec, que vous dire de cette ville qui est juste magnifique. Vraiment, gros coup de cœur pour Québec, pour les chutes aussi, qui étaient vraiment très belles, vraiment très très sympa. Je vous raconterai en détail dans la vidéo spéciale Canada, voyage au Canada et tout, mais au niveau des tarifs, au niveau des chutes, mais on a payé seulement le parking qui permettait d'accéder aussi aux chutes. Du coup, c'était une sorte de 20 euros le parking et l'accès aux chutes. Il y a tout un parcours à faire en chute. Vous pouvez faire de la traversée, vous savez, de la Via Ferrata. Vous pouvez faire aussi les glissades là, avec un fil. Comment ça s'appelle? Oh là là, j'ai un mal de tête horrible, donc du coup, j'arrive plus à retrouver mes mots, mais bon. Bref, tout était vraiment bien prévu. Il y avait même un petit funiculaire qui traversait comme ça. Enfin, nickel. Ensuite, on est parti donc dans Québec, vraiment dans la ville basse et la ville haute. Pareil, on a monté un petit funiculaire trop mignon pour accéder à la ville haute, pour éviter de se taper les marches, même si au final, c'est pas si ouf que ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, il y a un moustique là. Oui, il y a quand même pas mal de moustiques ici. Il y en a qui m'ont posé la question au Canada s'il y avait du moustique. Oui. En plus, nous, étant donné qu'on est entouré de forêts, je vous dis pas, il y a du moustique à gogo, journée, soir, quand vous voulez. D'ailleurs, ils ont des belles terrasses et tout. Mais je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'honnêtement, cette terrasse, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont accès, mais il y a trop de moustiques ici. C'est. Voilà. Là, j'y suis, mais j'arrive même en pleine journée à me faire piquer. Même pas forcément la tombée de la nuit. Hein. Même en plein soleil, on se fait piquer. Hein. Mais bon. Ma foi, ça va. Je ne me suis pas trop fait piquer. Mais on s'est fait pas mal piquer au début quand on est arrivé. Maintenant, on fait attention. Bref, je reviens sur Québec. Québec, vraiment très très jolie ville. C'est vraiment plus français. Les bâtiments, le château font vraiment penser un peu aux petites villes du centre-ville de France et à taille humaine. Et ça, c'est vraiment important de le retenir. C'est-à-dire que vous pouvez faire vraiment le tour du centre de Québec à pied, sans problème. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'à Montréal, si vous voulez marcher un peu dans le centre-ville, il y a des kilomètres quoi qui vous attendent. Et alors que là, non. Hein. Après, ça s'étend hein, quand même la ville de Québec, mais le centre-ville est vraiment très sympa. Vous pouvez tout faire à pied. Vous avez en face, on a été voir de l'autre côté en fait espèce de fleuve, la Saint-Laurent, je crois qu'il s'appelle. On a été de l'autre côté, dans la ville de Lévis, qui est une ville un peu plus, vous savez, ville voisine, avec que des petites maisons. Et vraiment très sympa, cette ville aussi. Et alors, on a vu un coucher de soleil trop magnifique. Et je suis trop contente parce que je voulais trop voir un coucher de soleil ici. Donc, j'en ai pas vu depuis que je suis arrivée parce que le soleil se couche super tôt quand même. À 20h, il était en train de se coucher déjà. 20h30, quasi nuit, presque nuit, 21h, nuit noire. Hein, voilà. Donc, très contente d'avoir vu un super beau coucher de soleil. Du coup, donc du côté de Lévis, on avait le coucher de soleil côté Québec. Donc, vraiment trop beau. Avec un beau pont et tout. C'était magnifique. Vraiment magnifique. Gros coup de cœur, en tout cas, pour cette région, pour ce coin. Je ne pensais pas. À la base, on devait pas du tout aller à Québec. On devait même pas... aller dans cette ville ou s'y balader. Vraiment, ça s'est fait là en dernière minute. On s'est dit, allez, 3 heures de route, finalement, ça peut le faire. On est parti le matin assez tôt. On est reparti. Voilà. On est revenu hier à minuit, donc ma foi. Et puis, honnêtement, je pense que si vous passez juste un week-end à Québec, ça passe. Hein. Il n'y a pas besoin d'y aller pendant 15 ans. Si vous voulez juste avoir un petit aperçu comme ça de cette ville, un petit week-end, ça fait. Donc, très contente, vraiment, trop contente d'avoir fait ça. Aujourd'hui, bilan. Bah, je vous avoue que là, notre budget, il est dans les chaussettes. Hein. On voulait faire un dernier zoo ici, un parc Omega, etc. que Julie, une abonnée sur Instagram, m'a conseillé. Mais non, ça va pas être possible. Là, le budget, c'est chaud. Là, on commence à être vraiment chaud patate. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on voudrait quand même ramener quelques petits souvenirs pour notre entourage. Donc, on va aller faire une sorte de fabrique de sirop d'érable dans le coin, où on peut acheter logiquement des petits sirops d'érable et tout sympa, qui sont donc fabriqués ici. Donc on va essayer d'aller voir ça aujourd'hui. Quelques courses pour se faire des sandwichs demain, puisqu'on rend la maison à midi, et donc on va partir, on ira manger des sandwichs près de Montréal. L'après-midi, on aimerait bien se faire le biodôme, et puis en fin de journée, bah, direction l'aéroport pour reprendre l'avion. Et on revient vendredi 14h, donc ça va être un sacré périple de retour, parce que finalement, on va passer notre nuit dans l'avion. À notre arrivée, il faudra rajouter 6 heures hein, sur notre montre. Et on prendra le train pour arriver ensuite à Lille. Donc, petit périple, mais bon, ça va le faire.
En tout cas, voilà, pour ces vacances au Canada, comment vous dire que je suis au top. Je suis trop ressourcée. Ça m'a fait tellement du bien. 3 semaines, c'est vraiment top, 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 top pour partir. Ah, mais les moustiques! Je disais avant de me faire piquer par un autre moustique que 3 semaines, c'était super bien pour profiter de l'endroit. Alors la météo, comme je vous ai dit hier à Québec, est très changeante, hein, mais c'est pareil partout au Canada en fait. Là, regardez, il y a le soleil. 2 minutes après, il n'y a plus de soleil. Des fois, il peut y avoir un nuage de pluie. Dans 1 heure, il peut y avoir de l'orage. J'ai jamais vécu autant d'orages depuis que je suis ici. Je crois que depuis, en 3 semaines, on a vu passer 5, 6, 7 journées. Fin de journée avec 1 heure comme ça d'orage. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément la nuit entière, hein, mais voilà, pendant 1 heure, il y a eu de l'orage, paf, paf, ça a éclaté, et puis après, au revoir. Et donc c'est arrivé au moins 7 fois. Alors 7 fois en 3 semaines, c'est énorme. Moi, en France, j'en vois peut-être 2 dans l'année, hein, donc c'est assez dingue. Donc la météo est assez particulière cette année. Alors, je sais pas, je sais qu'il fait chaud d'habitude au Canada. Bon, là, il fait bon, il fait meilleur qu'en France parce qu'en France il pleut là, mais je ne sais pas quoi penser. J'ai cru comprendre en tout cas qu'ici ça pouvait aller comme ça, 1 heure soleil, 1 heure après pluie, faut faire attention. Mais ma foi, mis à part ça, on a quand même eu beau temps, à part quelques petits voilà, aléas, mais de manière générale, on a eu beau temps, on a vraiment pu se ressourcer ici, les paysages sont juste impressionnants, donc ça ne peut que faire du bien. Bon, je vous emmène sur la fin de ces derniers vlogs là, ce dernier vlog Canada. Je vous emmène donc les derniers moments avec nous pour refaire les valises aussi, notre retour en France, et puis comme ça, on se retrouvera aussi en France. Là, en tout cas, vous avez eu mon gros bilan et vraiment un gros gros coup de cœur pour Québec, Montréal, Toronto. Vraiment rien à voir. Les 3 villes n'ont rien à voir. Toronto, vraiment ville hyper dynamique, très New York, vous voyez. Montréal, un petit peu moins, mais ça reste une grosse ville quand même avec beaucoup de gens, de population, avec beaucoup de mixité. Les 2 langues sont parlées beaucoup ici, donc très très sympa. Au Québec, a rien à voir. Du coup là, c'est beaucoup plus francophone. Ouh, un autre moustique. Beaucoup plus francophone à Québec et du coup beaucoup plus ressemblant à ce que nous on connaît en France. Donc vraiment rien à voir. On aura un petit peu vu tout ça. Donc trop trop contente. Vraiment trop contente. Bon, vous l'avez compris, de toute façon c'était un beau voyage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le Canada est un pays qui vous fait envie, un pays où vous avez envie de venir. Si vraiment un pays qui ne vous donne absolument pas envie, hein, je comprendrais. Bon, je me lève parce que je me fais piquer partout. Donc dites-moi aussi si ce pays est un pays qui vous fait absolument pas envie, si vraiment c'est un pays où vous avez rêvé de venir, s'il y a des villes particulières que vous avez envie de voir, si vous connaissez Québec vous aussi, ou si vous avez pu visiter certaines choses. Je sais qu'il y en a nombreux, nombreux m'ont partagé leur expérience et leur avis sur Instagram. Je cherchais mes mots sur Instagram, mais bon. Bah écoutez, j'ai hâte de vous lire aussi ici sur YouTube. Et évidemment, je vous ai préparé une petite surprise, comme je vous ai dit, je vais vous ramener des petites choses d'ici. D'ici aujourd'hui et demain, je vais acheter des petites choses, mais j'avais envie de vous gâter aussi dans un vlog. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans les commentaires, mettez-moi le petit mot. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petit mot? Comme petit mot bonus, vous savez, les fameux petits mots là qui permettent de savoir que vous participez au concours. Et bien écoutez, mettez-moi le mot forêt, puisque je suis entourée avec la piscine, cette petite maison trop mignonne, mais surtout d'une forêt. Ah ouais, et ce soir, hein, je ne vous ai pas dit, on va enfin utiliser il est où? Le feu, je vous le montrerai après le feu. Donc oui, mettez le mot forêt si vous voulez gagner un petit lot comme ça, Made in Canada. Je vais essayer de voir pour vous mettre des petits produits Bath & Body Works, vous mettre peut-être un petit truc d'ici. Je vais voir des petits trucs gourmandises d'ici. Je vais voir ce que je peux trouver dans les 2 jours qui viennent, mais je me donne la mission de vous faire un petit lot comme ça, spécial Canada. Donc on like cette vidéo, on s'abonne si ce n'est pas encore fait, et puis surtout, surtout, on met le petit mot forêt dans le commentaire. Voilà, et sur ce, je vous laisse. Alors, je voulais vous partager ce petit truc-là que j'ai découvert il n'y a pas longtemps chez ma copine, les trempettes aux épinards. Mais c'est trop bon ce truc-là, avec des petites carottes ou avec des petites tortillas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ça se trouve ici à Montréal, enfin dans les magasins. Hein, et c'est trop bon, moi j'aime trop. Et deuxième coup de cœur culinaire, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, les Nutter Butter. Donc, c'est des petits biscuits entourés de chocolat, mais à l'intérieur, il y a du peanut butter, donc du beurre de cacahuète.
Et c'est trop bon, et c'est trop bon, et c'est trop bon ça aussi. Avec un cappuccino, ça passe super bien. Bon, il n'y a pas mon cappuccino habituel, mais chérie a acheté ça. Je ne sais plus si c'est à IGA, mais c'est trop bon ça aussi. Donc, je vous partage l'info. Si vous cherchez du cappuccino, pas trop mal, c'est très bon. Je vous retrouve aujourd'hui, journée pluvieuse et dernier jour pour nous. Enfin, pluvieuse. Ouais, temps mitigé, on va dire. Je vous retrouve du coup pour tout ce qui est valise. Je vous dis pas, il y a plein de cochonneries. Donc, j'ai déjà fermé toutes les valises, sauf la mienne. Je vous montre juste l'état de la mienne, histoire de voir. Et c'est une nouvelle que Cathy m'a donnée généreusement. Et elle est déjà pleine. Heureusement qu'elle m'a donné une grosse valise comme ça parce que je crois que ce serait jamais rentré dans ma valise à moi. Allez, voilà l'état de la valise. Donc bon, ça c'est un sac, je sais, ça sert à rien, mais sinon j'ai mis tout, les trousses, tout ce qui est trousses. On a acheté des petits trucs à ramener. Du coup, on a mis là les médocs. Donc ça c'est là. Et de l'autre côté, tout ce qui est vêtements, souvenirs, cadeaux. Il y a des bougies calées là comme ça. Une bougie ici, une bougie ici, histoire qu'elle ne casse pas. J'espère que ça va aller. Je pense que je vais mettre un truc ici d'ailleurs pour protéger encore de ce côté-là. Mais écoutez ma foi, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Je voulais vous montrer, j'ai été chez Winners hier et j'ai acheté trois petites choses. Déjà, j'ai pris un Killer Liner. Vous savez que c'est mes crayons pour les yeux préférés. J'ai trouvé en version verte comme ça, donc c'est un vrai vert kaki. J'ai hésité, hein, mais il était à 12,99, donc ça fait 13$, donc à peu près 10€ on va dire. Et écoutez, c'est quand même Too Faced, c'est quand même mes crayons préférés, donc je me suis dit, j'en prends un. Pour tester, j'ai pris un mascara comme ça, de la marque Physician Formula, qui est un mascara volumateur, hein, longueur et volume, à 4$ à peu près, donc ce qui équivaut autour de 2€, donc c'est une miniature, mais pour tester. Et alors ça, encore une fois, l'affaire du siècle, Anastasia Beverly Hills, le lot de 3 enlumineurs comme ça. Je crois que j'avais une abonnée qui m'en avait envoyé un ou deux, je ne sais plus. Je vérifierai dans mes stocks. Mais en tout cas, au lieu de... Alors là-bas, je pense que c'est 30$ ou 24$. Ils étaient en promo à 13$ et là, ils sont passés à 5$. Donc, écoutez, ma foi, je me suis dit, pour mettre des paillettes, ça valait le coup. Donc, de chez Anastasia Beverly Hills. J'aime trop Winners Info, faut pas que j'aille dans ce magasin. Thank you.
Je suis bien rentrée à la maison. Oui, je vous retrouve du coup 2 jours après notre tour. Il a fallu du temps pour un petit peu m'en remettre. Je vous raconte un petit peu du coup notre dernier jour à Montréal. Eh bien, on a été au jardin botanique. Alors, compliqué cette journée qui a été un peu cafouillée quand même au niveau organisation, mais ça arrive toujours. Faut essayer de prendre de la distance. Et en fait, on est parti du logement que je vous avais montré vers 11h midi, je crois. Donc, on a rendu tout nickel et tout. Et on devait aller au biodôme, donc une sorte de dôme où on peut voir des animaux. J'ai jamais été, mais il paraît que c'était bien. Donc, on paye le... Déjà, en arrivant, on se fait arrêter par la police parce que mon mari roulait un tout petit peu trop au-dessus de la limitation, mais il n'avait pas vu de panneau. Et on s'est dit, maman, ça commence bien la journée, tout ça, on va avoir une amende. Finalement, le policier a été super compréhensif, il a juste vérifié notre permis pour voir que qu'on n'avait pas eu d'autres infractions pendant notre séjour. Il nous a posé 2-3 questions, et puis après, il a dit que voilà, fallait faire attention parce que ça coûtait cher les amendes au Canada. Et il nous a laissé repartir tranquillement en nous rappelant la limitation de vitesse. Donc vraiment très sympa, vraiment. Et on arrive sur le parking du biodôme, on se gare. Donc le biodôme, c'est au niveau du grand stade olympique que je vous ai déjà montré. Et on se gare et tout, on paye le parking. Et là, au biodôme, on se rend compte qu'il n'y a plus de place parce qu'on aurait dû réserver avant. Hashtag les boulets, hein, ça arrive pour le dernier jour. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais envie d'aller voir le jardin botanique. Et mon mari me dit, ouais, c'est à 20 minutes à pied. Tout est loin, comme je vous disais, à Montréal. Pourtant, c'était à côté. Mais à pied, c'était loin, du coup, parce que là-bas, les distances sont un peu plus longues, hein, vous voyez. C'est quand même très étendu. Et bon, finalement, j'étais un peu déprimée. Je vous avoue que c'était pas dans un bon mood. En plus, c'était le jour du départ et tout. J'étais pas dans un super mood. Mais on a quand même été au jardin botanique. Il faisait pas beau, mais il faisait pas froid. Ça pleuviotait de temps en temps, mais il faisait quand même bon pour aller se balader. Donc finalement, on a été et aucun regret. C'était vraiment trop, trop, trop bien le jardin botanique. Ça vaut le coup. Vraiment, si vous avez l'occasion, allez voir. Le jardin chinois est magnifique. Les jardins japonais sont sympas aussi, beaucoup plus zen. Il y a des endroits très fleuris. Après, on n'a pas pu tout faire parce que c'est vraiment très grand et on n'avait pas non plus beaucoup, beaucoup de timing. Mais c'est très, très beau. D'ailleurs, avant d'aller au jardin botanique, on a pique-niqué et tout ça. Au Canada, ce qui est cool, c'est que vraiment, ils prévoient plein d'endroits pour pique-niquer avec vos enfants. C'est normal là-bas. C'est normal de pique-niquer. Donc, voilà. Prévoyez là-bas des pique-niques si vous y allez parce que c'est assez facile. Il y a toujours plein de tables à pique-nique en bon état. Vraiment nickel. Donc ça, c'était cool. Et finalement, la journée s'est bien passée alors que j'étais pas dans un bon mood. On est parti à l'aéroport. Notre avion a eu un peu de retard. Donc, on a un peu beaucoup attendu quand même à l'aéroport. Mais... ma foi, ça s'est bien passé. Il y avait 6 heures de vol pour le retour, donc beaucoup moins qu'à l'aller. L'aller, c'était 8 heures, le retour 6 heures, puisque d'après ce que j'ai compris, on est dans le sens du vent. Et l'avion, du coup, ça va plus vite. Hein, vous me direz, si vous savez, vous, pourquoi il n'y a que 6 heures au retour, pour la même distance. Hein. Mais sinon, c'était vraiment un très beau voyage. Voilà, aucun regret, aucun regret. Et beaucoup de beaux souvenirs du coup. J'ai commandé des photos que je vais recevoir bientôt avec un petit peu notre récap du voyage. Je vous montrerai ça sur Instagram, hein. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. J'ai mis des petites choses de côté là, hop, pour le fameux petit concours que je vous en avais parlé, je crois, dans cette vidéo, hein, je suis un peu perdue là. Donc je vous avais parlé d'un concours un peu surprise avec des petites choses. Donc je crois qu'il y a un mot bonus à mettre dans les commentaires. Donc n'oubliez pas de liker tout ça et de mettre votre petit mot bonus. Comme ça me fera plaisir de voir que vous êtes là de retour. Et ma foi, j'espère que ces vlogs vous ont plu. J'ai eu du mal à me remettre du jet lag. D'ailleurs, il y a quelques personnes qui m'ont demandé sur Instagram genre combien de temps fallait prévoir pour se remettre un peu dans le jus. Puisque finalement, on a dormi dans l'avion, mais on a dormi genre 3-4 heures, un grand max dans l'avion, sur les 6 heures d'avion, puisqu'il y a le repas, etc., il vous réveille un peu plus tôt, enfin, une heure avant, enfin, une heure au début et une heure à la fin, c'est pour, entre guillemets, les repas. Donc, on a dormi grand max 3-4 heures, grand max. Et après, il a fallu tenir toute la journée, parce que quand on est arrivé en France, il était 11 heures. Le temps qu'on arrive chez nous était 15 heures dans notre maison, et donc après, on était un peu déphasés. On a fait des petites siestes et tout. On a essayé de pas trop faire de sieste pour pouvoir dormir le soir et faire une vraie nuit. Mais ça a été compliqué. Donc là, ça fait 2 jours. Et cette nuit, voilà, j'ai dormi que 5 heures parce que j'ai pas réussi à dormir avant 4 heures du matin.
Donc je suis encore un peu déphasée. Donc moi je vous conseillerais de prendre 2-3 jours avant de reprendre le boulot, vous voyez. Moi mon mari il s'en est remis plus vite. Là je pense que ce soir lui va pouvoir dormir normalement et demain se réveiller pour le boulot tranquillement. Moi j'ai du mal. Mais moi j'ai toujours eu du mal, même pour l'aller j'avais eu du mal. Donc voilà, c'est comme ça, ça dépend. Mes enfants ils commencent à reprendre le rythme normalement. C'est juste moi. Ça dépend de chacun, mais je vous conseille en tout cas 2-3 jours pour vous remettre du décalage horaire, du jet lag. Et sinon j'ai reçu des colis. Donc ça je vous les réserve dans une autre vidéo plus sympa. Un peu unboxing, donc ça va être trop cool. Et j'ai des vidéos rentrées à préparer. Et j'ai surtout là, j'ai envie de ranger. Alors là, je suis dans ma chambre, si vous le voyez. J'ai trop envie de vous faire une vidéo par mois, désencombrement extrême. Et chaque pièce de ma maison, j'aimerais vous la filmer et vous montrer que je vais tout vider en triant, mais vraiment de façon extrême. J'aimerais, alors je vais pas être minimaliste, hein, je vous dis pas ça. Mais pour des projets futurs, j'ai besoin de vider beaucoup de choses dans ma maison et j'ai trop de choses. Donc ça m'empêchera pas d'acheter 2-3 trucs, hein. Mais en tout cas, il faut que je change des choses, je désencombre, que je fasse du tri pour pouvoir... Parce qu'en plus, je me suis rendu compte en fait dans ma valise que j'avais utilisé que certains vêtements, que finalement, il y avait un short que j'avais jamais mis pendant mes vacances pendant 3 semaines, que finalement, chez moi, je le mettais pas non plus. Alors certes, il fait pas une météo de dingue. Mais pourquoi pas faire du tri comme ça avec des choses que vraiment finalement on met jamais. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo désencombrement là comme ça. Et bah, si ça vous intéresse, restez connectés. Sur ce, je vous retrouve dans les commentaires pour papoter de ce voyage et de me parler de votre voyage, vos vacances. Parce que vous n'avez pas parlé beaucoup de vos vacances, donc dites-moi tout dans les commentaires. Et ma caméra elle a du mal des fois. Hein. Et puis on se retrouve dans des prochaines vidéos aussi. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Salut !